crever quand je meurs, vida loca. Un pied dans le din, un pied dans le péché, paumé. Bloqué entre deux vies quand je meurs, vida loca. Un jour on s'aime, un jour on se fait la guerre. Ah ouais. Salam à toutes et à tous les amis, c'est Rastasel, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire des tacos à la famille. Je suis par là, j'ai pas encore commencé. Non mais je vais en fait. Merci. Donc les mecs, on va faire des tacos fait maison. Donc j'ai l'habitude de le faire en famille. Jésus. Ouais. Donc là, j'ai déjà fait un que ma femme va manger. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Donc comment je l'ai fait, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et au passage, les gars, n'hésitez pas à liker, de partager et de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez pas aussi à appuyer sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne et être sponsor de la chaîne. Et dites-moi ce que vous en pensez de mon maillot de l'Algérie, frère. Merci, Gaël. Bon, allez, c'est parti, frère. On prend la feuille, voilà. J'ai oublié la maillot, donc c'est arrivé. Ok, les mecs, donc j'ai dû oublier la maillot, donc on va mettre la maillot tranquillement. Moi j'aime bien la maillot, voilà. Ah, tu fais comme ça. Tu étales tout la maillot, frère. Jusqu'à que sa grand-mère la chauffe, elle sort du truc. Un chou. Ouais. Alors, tu étales, frère, n'aie pas peur, hein. Étale, tu peux même t'asseoir dessus, frère, tranquille. Voilà, voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Désolé s'il y a beaucoup de coupures, je pense que vous avez compris. Hein. Donc voilà, là maintenant, on va mettre le poulet. C'est du poulet au curry. Curry, ouais. Sacré. Hop, hop. Donc voilà, hop, on met c'est le bien. Poulet. Santé, on met. Donc il reste encore un peu pour un petit tacos, on va dire. Il reste encore, donc voilà. Et donc là, on va passer sur la sauce fromagère. Donc voilà, on met un peu partout, quoi. Il faut que quand ça s'écrase sur le... Comment il s'appelle l'appareil? Un grill. Un grill. Le truc de tacos là. La plaquette à tacos, ou je sais pas. Un gris. Un gris, oui. Un gris beurre. Voilà. Un petit. Donc j'en profite pour sa dans cette vidéo pour passer un petit message à l'Euroca 92. Si tu remarques ma vidéo, ben contacte-moi, on peut faire un défi ensemble, ça me ferait grave plaisir. Donc. Maintenant, on va procéder aux fermetures du tacos. Voilà. On écrase bien. N'hésitez pas à le faire chez vous et me donner des retours, les gars. J'aimerais bien et savoir. Les gars. Ouais. Et pourquoi? Donc, moi, après, je fais comme ça. Je sais pas vous comment vous faites. Moi, ma technique, c'est comme ça. Voilà. Donc, pour tenir, je mets une cuillère et passer à l'autre. Cuillère. Voilà. Et là, ça me fait mon tacos, les gars. Taca. Voilà. Donc là, je vais le mettre sur la plaquette et je vous dis à tout de suite pour la dégustation. Je suis là. À tout de suite, les mecs. Ok. Donc là, on se retrouve pour la dégustation. Donc voilà ce que ça a donné. Ça donne comme ça. Hop, voilà. Donc c'est un peu chaud, donc je reviens tout de suite. Ça refroidit un peu, les gars. Et je vous dis à tout de suite. Ok, c'est parti, les gars. Mmh. C'est bon, hein? Ouais. Ça, ce sauce aux pommes, elle est piquante. D'accord. Là, il y a eu un peu de sauce au poivre. Mmh. Mmh. C'est trop bon. Mmh. C'est la première la chauffe. C'est pas sa grand-mère la chauffe. La chauffe.
C'est sa grand-mère la chauve. Et moi aussi j'ai envie de dire comme ça. Hein? Moi aussi j'ai envie de dire comme ça. Oh. Ouais. Après t'as. Mais oui, c'est clair. Ah, mais non. Papa. Oh, c'est chaud. Ouais. Ah, c'est pas mal. Waouh, comment ça? T'imagines, tu regardes cette vidéo avant de dormir. Ça te donne faim. Bah oui, c'est pour ça que je regarde pas les vidéos. Dégustation. Ah, c'est ça. Ouais, là, en fait, t'as tout la sauce fromagère qui s'est étalée, quoi. En l'écrasant, ça se met un peu partout. On sent toute la saveur, tout ça. C'est quoi, ça? Ah, c'est toi. Ça, pendant les confinements et tout, ça aide. Tu veux un tacos, frère, là? Voilà. En fait, plus ça avance et plus c'est chaud. Mmh. Ah. Bien que la vapeur elle sorte. J'ai remarqué qu'il y en a, ils prennent genre des tacos, trois viandes, deux viandes, quelque chose comme ça. Ben moi, personnellement, j'aime pas parce que j'aime pas le mélange. Le mélange de viandes comme ça, je préfère mettre une viande. Un seul. Ouais, ça me va direct. Ouais, c'est... Puis même ça donne pour actif trois viandes. Faut que ça aille jusqu'au fait. Ah, c'est chaud. Ah, plus chaud.
Un conseil, les gars, quand vous mangez un truc comme ça, ne jamais boire au milieu. Parce que si vous buvez au milieu, après vous pouvez pas finir. Ça va vous fermer tout le truc. Enfin, moi personnellement, ça me fait ça. Donc. De l'huile qui est cool. Après. Ok, donc là les gars, on va finir avec du coca. En tout cas, c'était très bon, donc n'hésitez pas à essayer de le faire aussi. Très bien. Pas compliqué à faire. Et puis voilà. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Portez-vous bien. A plus, c'était Rasta16 et GE2S. Tous. Salut à tous. À tous. Au revoir. Voilà. Get it. Yeah.